Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la rubrique Dans l'oreille de J.P. Rock. Comme vous l'avez peut-être reconnu dans l'introduction musicale qui a débuté cette séquence, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanteuse icône qui n'est autre que Suzanne K. Quattrocchio. Alors, Suzanne K. Quattrocchio, elle est plus connue sous le nom de Suzy Quatro. Suzy Quatro est la fille d'un musicien de jazz. Dès qu'elle a eu 8-9 ans, elle s'amusait à faire des percussions sur des bongos dans l'orchestre de jazz de son père. Et tout le monde la considérait un petit peu comme un garçon manqué. Ce n'est finalement qu'en 1964, vers l'âge de 14 ans, qu'elle décide avec ses sœurs de former un premier groupe, après avoir entendu les Beatles. Et ce groupe entièrement féminin s'appelle les Pleasure Seekers. Alors, il y a eu des enregistrements avec ce groupe, notamment de 45 tours, qui sont évidemment aujourd'hui des pièces rares très 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 recherchées. Alors finalement, en 69, la musique des Pleasure Seekers va évoluer de plus en plus vers le hard rock, parce que le glam rock est un petit peu en perte de vitesse. Et le groupe va être baptisé Cradle, avec un petit changement de line-up. Ils vont même faire une tournée des bases américaines au Vietnam. Et le groupe va finalement un petit peu s'imposer. Malgré tout, elle reste quand même dépendante d'une forme de sexisme qui existait à l'époque en ce qui concerne les groupes de rock totalement féminins. Alors, en 1971, Suzy va en fait rencontrer le producteur Mickey Most, qui est non pas Mickey Mouse, mais Mickey Most, qui s'est rendu, lui, à Detroit pour un enregistrement de Jeff Beck. Il va assister à un concert, en fait, de Cradle, et il va remarquer cette petite bassiste très, très énergique, très, très agressive. Et directement, il va avoir un flash, et il va lui proposer, en fait, de venir à Londres, en lui promettant une carrière dans le rock. Alors après quelques hésitations, Suzy Quatro accepte et se retrouve en fait en Angleterre. On a en ce moment-là, donc vers la fin de l'année 71, le glam rock est véritablement en train de submerger les radios en Angleterre. Et Mike Most lui fait signer en fait un premier contrat sur son label R.A.K. Et c'est lui qui décide de raccourcir son nom et de la baptiser Suzy Quatro. Alors, au départ, évidemment, elle va être prise en main par deux compositeurs célèbres qui sont à la base déjà de la première partie de la carrière de Suite, qui sont bien sûr Mike Chapman et Nicky Chinn. Et Chapman et Chinn vont évidemment écrire des titres pour Suzy Quatro, avec en 73 les premières sorties, et notamment le premier single à succès que je vous montre ici et qui s'appelle 48 Crush. C'est le 45 tours de l'époque. Ce titre va être très très vite suivi d'un autre très très gros succès, même encore plus important que celui-là, et qui est Can de Can. Et là, sa carrière commence réellement à prendre une expansion incroyable et à décoller en Angleterre, ainsi que dans pas mal d'autres pays européens. Vont suivre évidemment toute une panoplie d'albums, dont le premier Quatro, voilà, que je vous montre ici, sur lequel on retrouve en fait le titre Devil Gate Drive, très très bon album, qui évidemment représente exactement l'énergie furieuse que dégageait Suzy à cette époque. Donc sur ce titre, bien sûr, on retrouve le fameux Devil Gate Drive, qui sort en 45 tours aussi.
Là, on est en 74. Et puis, Suzy va continuer son petit bonhomme de chemin en sortant plusieurs albums. Je vais vous en montrer quelques-uns ici. Tout d'abord, en fait, celui-ci sur lequel on retrouve en fait des titres comme Can't Trust Love ou Your Mama Won't Like Me. Très très bon album sorti toujours sur le label R.A.K. En voilà encore un autre, Suzy and All the Four Letter Words. Là, il y a un peu un changement, je dirais, de style parce que le glam rock étant un petit peu arrivé à bout de souffle, ben, Suzy durcit le ton de sa musique. Mais voilà encore un très très bon album que je vous encourage à découvrir. En voilà encore un, ben, Rock Heart. Alors le titre, véritablement, parle de lui-même. Hein, toujours une énergie absolument incroyable et cette voix formidable. C'est toujours produit par Mike Chapman. Et bien sûr, on retrouve là-dessus, outre le titre éponyme Rock Heart, on retrouve des titres pardon, comme Woman Cry, Hard Headed, Egg in the Night, un très très bon album de Suzy Quatro. Et puis finalement, après avoir placé ces titres dans les charts entre donc, 73 et 83, ben, Suzy va un peu bifurquer. Elle va faire pas mal de choses. Elle va même être à un certain moment active dans des comédies musicales. Elle va être actrice. Elle va être présentatrice, animatrice radio. Voilà. Et puis, bon, finalement, en 91, elle sort un album qui s'appelle Ho Suzy, qui rencontre un petit succès. Mais bon, pas plus que ça. Et un autre album va suivre, What Goes Around, qui sont en fait des réenregistrements des titres avec quelques inédits, mais qui n'est pas un album extraordinaire, même si bon, ben, on reconnaît toujours cette Quatro Touch qui a fait qu'on était tous, nous les mecs, amoureux de Suzy Quatro en cuir noir quand elle a démarré et qu'on la voyait dans les clips à la télé, notamment dans Top of Top Pop, présenté par Advisor sur la télé hollandaise, où elle passait régulièrement. Il est clair que bon, la carrière de Suzy a été mise un petit peu donc, entre parenthèses en ce qui concerne le rock. Et puis finalement, c'est en 2006 qu'elle va revenir avec un nouvel album et elle va finalement reprendre la scène. Finalement, une scène qu'elle n'a jamais réellement quittée, mais en reprenant évidemment le répertoire de Suzy Quatro. Voilà. Elle a eu énormément d'influence, bien sûr, sur le rock féminin. Joan Jett parle d'elle en disant que ça a été véritablement la femme qui l'a inspirée par rapport à cette énergie, par rapport à ce look féminin dans le rock, notamment dans le glam rock. Et puis aujourd'hui, justement, si je vous parle si longuement de Suzy Quatro, c'est parce que notre chère Suzy revient avec un nouvel album. Et ce nouvel album, intitulé The Devil in Me, est véritablement, et c'est elle qui l'affirmait, je vous le confirme, un des meilleurs albums, si pas le meilleur album qu'elle a commis depuis l'époque dorée du glam rock. Alors, cet album, ben voilà, le voici, The Devil in Me, un double vinyle, un simple CD. Et cet album a été enregistré en 2020, pendant le confinement, où finalement les tournées s'étant arrêtées, etc. Ben, Suzy s'est dit qu'il était peut-être opportun de consacrer ce temps à faire un nouvel album. Et chose absolument incroyable, son fils étant musicien aussi, ben, elle a décidé d'écrire cet album en compagnie de son fils. Et c'est donc en fait lui qu'on trouve crédité pour la majorité des titres, Mr. Richard Tucky. Alors, autant vous dire tout de suite que cet album est une vraie claque. Quand vous le mettez sur votre platine, eh bien, il est certain que ça va directement vous donner envie de réécouter aussi les anciens albums de Suzy et que ça va vous ramener plein de souvenirs à la tête. D'autant plus que
Outre le titre Devil in Me, qui est vraiment dans la grande tradition des titres accrocheurs de Susie Quattro, on retrouve d'autres pépites comme Hey Queenie, comme un titre qui s'appelle Betty Who, où là, en fait, cerise sur le gâteau, ben, Susie a invité Cherry Curry, qui est bien sûr la chanteuse des fameuses Runaways. Alors, retrouver ces deux icônes sur un titre en pleine forme, c'est absolument extraordinaire. I Sold My Soul Today est aussi une des pépites que je sortirai de cet album, ainsi que Motor City Riders. Et puis, surprise, vers la fin de cet album, en bonus track, ben, Suzy nous propose une reprise de Desperado. Desperado, qui est ce fameux titre emblématique des Eagles. Alors, Suzy Quattro chante les Eagles, je vous avoue que c'est pas commun, mais elle en fait vraiment une très très chouette version. Donc voilà, The Devil in Me, c'est le nouvel album de Susie Quattro. Vous avez les paroles ici à l'intérieur. Voilà la pochette avec tous les titres. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de quoi se mettre sous l'oreille. Et puis je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une des pochettes intérieures avec cette magnifique photo de Susie Quattro aujourd'hui. Et quand on voit ça, on se dit que franchement, la nana, elle assure aussi bien artistiquement que physiquement. C'est resté cette petite bombe de glam rock dont on était tous fous dans les années 70. Voilà, The Devil in Me, le nouvel album de Susie Quattro que je vous recommande plus que chaudement. Un album very, very hot. À une prochaine fois. Salut.